Salut tout le monde les amis, c'est Orige91, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais super et on se retrouve pas du tout sur le serveur de Minarchy saison 3, non non. En fait je vous fais une construction que j'ai déjà construite hors caméra mais que je trouvais super sympa à vous montrer quand même. Donc je l'ai construite sur une flat grass, celle d'habitude. Voilà, et c'est une forge en fait, et j'ai trouvé ça assez sympa. Alors vous voyez que c'est tout petit à l'intérieur, mais j'ai trouvé ça cool. Donc là je suis en train de faire les murs parce que en fait je suis en train de commenter la vidéo après coup en fait. Donc je suis pas du tout en train de construire en ce moment où je vous parle. Et donc vous voyez là par exemple la cour en gris. C'est vraiment là où il va y avoir l'enclume, où il va y avoir le four. Ça va être ouvert. Voilà, et vraiment le bâtiment lui-même sera à l'intérieur, mais c'est plus un coin de stockage et peut-être un coin pour le mec qui va le tenir avec peut-être comment on appelle un lit. Et voilà quoi, rien de très spécial. Dans cette vidéo on utilise les bonnes vieilles méthodes avec, vous voyez dans les angles, je vais mettre mon coin en en barrière. Et puis voilà. Après je vais m'occuper des fenêtres sans doute. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bah pas grand chose. Ça y est, avec TGN, vous l'avez sans doute compris, c'est officiel. Voilà, j'attends encore le serveur, Dizzy Server, qui me mettront à disposition. Une fois que je l'aurai, je le configurerai, je ferai quelques constructions dessus, et puis je l'ouvrirai sans doute aux abonnés. Voilà, faudra pas faire les cons, hein, parce que de toute façon, comme il y a que moi qui sera présent, en tout cas pour le moment, pour le tenir correctement, ceux qui font des conneries, je les bannerai. Voilà, je vais les banner. Oula, ça se dit pas ça. Je les bannerai, voilà. Et puis ça sera comme ça, hein, c'est la grosse dictature, mais en même temps, quand on est tout seul pour gérer un serveur, même si c'est que 24 personnes, 24 slots, et il faut être ferme. Voilà, faut pas faire les cons. Alors je vous mettrai sans doute à la fin de cette vidéo quelques screenshots quand même du bâtiment, je vais dire dans son milieu naturel, hein, vraiment, c'est-à-dire dans la ville. Et puis voilà, donc là je suis en train de faire, vous voyez encore, la façade est super longue, donc je l'ai coupée avec des colonnes. Voilà. Et vous allez voir dans quelques instants, voilà, ce côté-là, sur lequel je suis en train de travailler maintenant, est contre l'aqueduc. Du coup, j'ai pas pu faire grand-chose et ça se voit pas, donc c'est pour ça qu'il est resté tel quel, il n'y aura pas de fenêtre, rien du tout. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je voulais vous remercier aussi parce que vous êtes ultra nombreux. On est combien, 3250, un truc comme ça, voire un peu plus, je sais plus. Et franchement, ça me fait ultra plaisir d'avoir une communauté, et comme je le disais sur Twitter, une communauté, si je peux dire ça comme ça, une communauté, hein. Mais pas non plus, voilà. Mais je suis assez fier de vous, parce que dans l'ensemble, vous faites pas trop les cons, dans les commentaires, vous êtes sympa. Vous me mettez toujours des messages de soutien, et même vous m'envoyez des MP parfois, ça me fait super plaisir. J'essaie de vous répondre au maximum, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, j'essaie d'être là assez souvent. J'espère que je le suis. Après, pour ce qui est des packs de textures et tout ça, m'en veuillez pas si je vous réponds pas, hein. C'est parce que franchement, avoir 3000 personnes à chaque vidéo qui me demandent le pack de textures alors que je fais des vidéos exprès pour vous les mettre, ça me saoule, je le dis clairement. Donc c'est pour ça que je réponds pas à cela. Bon, regardez dans les descriptions, en général j'essaie de mettre et la map et le lien pour télécharger. Donc voilà, vous avez vu d'ailleurs, j'ai utilisé un petit peu un nouveau bloc de Minecraft, celui qui est sorti pour la 1.4. C'est l'enclume, vous avez vu, et je trouve ça assez sympa pour une forge. Et voilà. Donc là, je me rends compte que j'ai fait une grosse connerie. Voilà, c'est un bloc plus haut qu'il faut que je le mette. Donc je vais tout effacer. Voilà. Allez, oust, 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 oust.
Là, je suis en train de me dire, non, il y a un problème. Voilà, ça y est, je viens de tilter. Ça fait bizarre de se revoir en train de construire après coup, en fait. Assez chelou. Donc voilà, et je vais utiliser une technique assez sympa. En fait, je vais mettre des escaliers à l'envers, là, vous voyez. Enfin, à l'envers, voilà, dans l'autre sens. Comme ça, à l'intérieur, ça me fera une sorte de petite, un petit hall. Et d'ailleurs, vous voyez que le nouveau système pour les escaliers en angle, eh bien, c'est super pratique. Donc là, je fais tout le tour. Voilà, puisque en fait, ça sera ouvert à l'intérieur. Là, ici, vous voyez, la coupe sera vraiment ouverte. Ensuite, là, je me demande, je me souviens encore quand j'ai construit, si je mets un bloc entier ou pas. D'ailleurs, si je me souviens bien, je vais mettre un bloc entier et puis je vais voir qu'il y a des trous. Voilà, il y a des trous, c'est pas possible. Et donc, bah, je vais utiliser toujours la technique des escaliers en angle. Parce qu'avec leur nouveau truc, du coup, maintenant, voilà, double fail. Hop. Mais il y a un coup à prendre, hein, parce que vous voyez là, hop, je me dis, merde, ça marche pas. Et voilà, en fait, il faut le faire en deux fois. Tout simplement. Et donc du coup, de l'autre côté, je vais pouvoir mettre voilà, mes slabs tranquillement. On a l'impression que juste derrière, en fait, ce sont des blocs entiers, mais en fait, pas du tout, ce sont des escaliers. Mais en attendant, ça rend super bien et ça change pas du tout. Alors après, si je me souviens bien d'ailleurs, tout le passage de la toiture, je vais vous le faire en avance rapide. Il n'y a vraiment pas grand-chose de très utile. Voilà. Hop. Là, il y a juste un endroit où je m'étais foiré, où j'avais oublié de le faire, donc je me suis repris. Ensuite, ah oui, pas mal les petites barrières, en fait, pour délimiter le tout. Ce sont les petits détails, en fait, qui font que la construction va être jolie, parce que au final, je peux pas faire un truc ultra classe niveau architecture si j'ai pas beaucoup de surface. Et là, vous voyez que le bâtiment, il fait quoi? Une dizaine de blocs sur une dizaine de blocs, donc du coup... Voilà, hein, il faut jouer sur les détails pour que ça fasse joli. Donc à l'intérieur, vous voyez, bah, c'est tout petit, hein, mais bon, c'est pas... voilà, je fais le l'enfoncement, le toit, là, voilà. Donc c'est tout petit, mais bon, largement suffisant pour y mettre un lit et pour pouvoir mettre une table de craft, hein, j'ai envie de vous dire. Hop, et ici, ça dépasse, donc, pas de soucis, les slabs, voilà. Hop, ben voilà une construction de fait, et c'est plutôt sympa, je trouve, comme construction. Donc je vous mettrai des screenshots du bâtiment dans le serveur, comme ça vous l'aurez complètement. Voilà, ben j'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu. Voilà, je m'éclate, hein, d'ailleurs. Et on se retrouve une prochaine fois, sans doute très bientôt dans la semaine, sur Need for Speed, je crois bien. Voilà. Allez, à plus.